Mbote na bino bandeko batali boza ebele ba abonné ya Canal Congo TV, très chers téléspectateurs, très chers internautes, grand merci à vous pour la confiance sans cesse renouvelée au programme de Canal Congo TV. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un grand monsieur, un notable né Congo, mais surtout, nous le recevons en tant que kimbanguiste, quelqu'un qui a vécu auprès des papas Diangenda, qui a été enseigné sur le kimbanguisme. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on raconte sur Papa Chimo Kimbangu concernait vraiment les Africains, concernait vraiment la République démocratique du Congo, ou encore tout ce qui se passe à travers le monde a été déjà prédit par Papa Chimo Kimbangu? Nous allons suivre en tout cas notre invité qui va nous relater beaucoup des faits, qui va en tout cas nous révéler aussi ce que Papa Chimo Kimbangu a pu prédire quant à ce qui arrive aujourd'hui au monde. Il s'appelle Jean Kimwini. Papa Jean, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je dis que vous avez été enseigné par Papa Diangenda, je dis que vous êtes un kimbanguiste, vous êtes un notable né Congo, vous êtes en tout cas une élite congolaise. Est-ce que je mentis? En effet, vous avez raison. Je voudrais dire ici que je suis né kimbanguiste, je suis kimbanguiste de tradition. Mes parents sont kimbanguistes. Mes parents ont vécu à côté de Papa Diangenda. Et nous également, nous sommes nés dans cette église par ricochet. Nous avons beaucoup reçu de Papa Diangenda. Nous avons été enseignés par Papa Diangenda. Et il est grand temps que nous puissions livrer tous ces enseignements-là au grand public pour que nous puissions sortir de l'obscurantisme éhonté dans lequel nous sommes restés plongés depuis. Très bien. Alors, moi, je ne rue pas la langue de bois. On va parler de tout sauf des rien concernant bien sûr le kimbanguisme et les mondes. Vrai ou faux, Papa Chimo Kimbangu avait prédit ce qui arrive aujourd'hui? Eh bien, nous n'irons pas très loin. S'il faut remonter la chronologie du temps, à l'époque du royaume Congo, limité seulement là-bas, il y avait Maman Kimpavita qui, à l'époque, qui avait été brûlée vive, qui avait prédit l'arrivée de Chimo Kimbangu. Et effectivement, en 1887, Chimo Kimbangu est né. Mais bien avant, il y a eu le partage de l'Afrique en 1885. Et Chimo Kimbangu est arrivé en 1887. Et c'était l'année où l'esclavagisme a pris fin. Est-ce que c'est une simple coïncidence? On n'en sait rien. Par ces enseignements, Chimo Kimbangu avait prédit, dans son message testamentaire du samedi 10 septembre 1921, deux jours avant son arrestation, pour être transféré en CAM. Donc, le 10 septembre 1921. Voilà, dans son discours testamentaire. C'est là où, qui résume pratiquement tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Très bien. Permettez-moi de dire que je parce que l'émission est bilingue, on va parler français comme Lingala. Papa Chimo Kimbangu, le 10 septembre 1921. Papa Jean, message en Mbanzansanda, au Zorobanabu, je suis allé le 10 septembre 1921. Et ça là qui nini au Papa Chimo Kimbangu à l'obaki pour la Mokili, surtout pour la République démocratique du Congo. Bien, en clair, tu retends un message jango na Mokuse. Pour ces un message moko molai mingi, mais tu retends na Mokuse et tu retends un peu bas commentaire ya Batu Mususu, oye baye ba paya ba komaki makamwana pa ba komata ki discours testamentaire ya Mazansan de le 10 septembre 1921. Ok, tout ça, tout ben, tout synthétiser pour tout ça, la plupart, la immunité pour que tout ça, ma grande ligne, où ils ont concerné Mukilipé RDC. Voilà. Alors, prophétie, enseignement et prière de Mfumu Kimbangu. Le message prophétique d'adieu de Mfumu Kimbangu le matin du samedi 10 septembre 1921, deux jours avant son arrestation en Kamba. Yabiboye. Mes frères, l'esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci, avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même, pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme car l'esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu, le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser.
Voilà. Mais les décennies qui vont suivre la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur les conseils des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs et ils parleront toutes les langues des Blancs. Mais parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront des proies des Blancs et il y aura beaucoup de mortalité. Parmi eux, certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra alors une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Voilà, je serai moi-même le représentant du roi, celui qui viendra et qui va liquider l'humiliation qui, depuis des temps les plus reculés, l'on n'a jamais infligée aux noirs. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Voilà. Alors, mais on est dans la français, hein, papa Simo Gimbangu. Parce que sur le plan spirituel, mais physiquement, ça a le balinga là. Message aux yeux à mon d'un peu dans mon isaï belé à voir, mais au point qu'à moi partout en aurait une bonne immolante. Bon, et l'ingé que le baboué au moni, ce qui était remonté la chronologie du temps, n'a époque à Manza Congo, tant ou maman qui me pavita à Zalaka, à l'obaka ou à l'obaka, batumba caillé. Ba portugais bayaka ba diego ka bayaka ba colonisateur baye makambele ele kachiwana aloba kime mata ngai bo butumbingai bo bomingai kasi vérité utika la vérité mutu musula kuya oya kusikola makambona et en 1887 deux ans après le partage de l'Afrique papa Simo Kimbangu aye et la même année esclavage ici li ba kangie poste aloba ki noir akokoma mutu munda akoma mundele mundela akoma mutu mwini et vérité immuable mundela mona kya mabe Bakangi ba memie akena prison na Lubumbashi pendant 30 ans de vie carcérale. Na 30 ans de vie carcérale akufi akeyi. Kasi makamune kufa kite. Oyo nyo salobaki yango to bandi ko vivre na moyi ya lelo. Mwana na papa dangenda aye. Alobi na biso makamu mingi oyo atelisa ki biso bosolo abi na biso d'abord chercher le royaume de Dieu et le reste vous sera donné de surcroît. To luka d'abord bokonja likolo et au masu tikali e ko pesa na biso. So boyibi tata na ngai te. Les Kamoka Malonga et Kozalate. Nous sommes à l'Obakiango au su et au vu de tout le monde. Conférence internationale, Zalakiao, à l'Oblaki Makambouana. Soukboibi Tatan en Haïti et Lokomoko et Kosalamate. Le lot la même chose, Talapas n'est pas continué à Mokil. Tumbolingaï, au Tumbolingaï Penza, pourtant, on se demande papa Yangin au Tumbolingaï, conférence nationale au Tumbolinga, papa Yangin au Lobaki Bakimbangiste, probablement à Bantan Boyeba qui vous vendez en Zambie. Est-ce que vous avez dit que ce qui passe et continue à Mokil, Oyo, n'est pas congolais, Bazou, les Labouis, Bakimbangiste? Nalobi boye ya solo papa dengenda lobaki ngo kasi to kento zonga papa dengenda lobaki makambo ebele abale koloba chaque dimanche abana koloba malheur à ceux qui n'ont pas compris ba message ya papa dengenda ba message parce que mboka oyo ezana ba réalité prophétique na ba vérité spirituelle connue de tout le monde papa dengenda lobaka nana yoka kati tous les politiciens mboka na biso baba na koyoka baba no kena bakene na nkamba ba ezaki tout le temps ko fréquenter papa d'angenda nana yoka kité e ba sali sourd d'oreille le lobo to komi wapi ebike kabila sala 3 jours na nkamba kabila batu bandu ba ebike 4e président ba prophétie mo rebimaki ya papa Simo Kimbangu sur le 4e président vo kabila za 4e président ti le tout na suspense mais au moins to ebike Joseph Kabila a organisé ba élection ataki sur ba trace oyo Il y a un peu de temps. Oyo papa Simo Kimbangu aloba ça reste immuable. Même ba message prophétique testamentaire en banzansanda ça reste immuable. Tina moya lelo ça continue à ya kusalam. Likamanzambe ate umele suka suka kusa e kusala. C'est comme ça. C'est immuable. Et bo konja likole okitaka toujours na makasi. Makambo oyo papa dangenda loba alandika kabatrasi ya papa Simo Kimbangu. E kokoya kate.
hormis bah n'engage le bilan qui a monté tel président c'est vrai mutuna mutu oh azako ya azana mission na ya azako sala mutuna mutu chaque président goya azana mi mission na ya kusala vous comprenez tu sais qu'il est pas dans la mission na ya donc mutuna mutu azana oh ya ya kusa akusala nous avons confirmé que Félix c'est qu'il peut aller na mission yep azawana ayele makambo oh ya ya azako sala abil a pas dans la mission mais tokolo baboy nenge professeur Ntamba Mvema Kuma ki awa na français albaki boy s'il faut le dire ici à haute voix et que si nous continuons à nous comporter et à réfléchir comme nous le faisons depuis plus de 60 ans le Congo et l'Afrique seront perdus à tout jamais et si nous continuons à penser et à croire que les solutions des problèmes congolais tout comme des guerres qui détruisent le Congo depuis plus de décennies se trouvent dans les négociations hypocrites du Rwanda, de l'Ouganda ou des discussions trompeuses au sein de la communauté dite internationale, nous allons prolonger notre esclavage et nos souffrances. Et nous allons retarder notre véritable indépendance, celle qui libère l'esprit et le corps, celle qui ouvre la voie de la science et de la haute technologie, celle qui permettra au peuple congolais et noir de Soukoua de jouer pleinement son rôle de conducteur des peuples au cours du troisième millénaire. Cela veut dire ceci. Makamunion se faisait voir que la passe, donc il n'est allez consulter Simo Kimba Ngukianga. C'est le bas vérité. Bah nani bas qui n'est Nkamba, pas qui nous salanini. Mais justement, Batunion se trouve dans la posa ayoka ayeba, bah vérité yango, à qui Nkamba Nkamba est ouvert à tout le monde. T'es le loa bah consulter Salima. Population se roule là, parce que bah ça vous dirigez, bah autant à Félix c'est qui le premier nazar président, bah autant à président sortant Joseph Kabila premier nazar la majorité, bah on les bactères mais néné, oh yo bah c'est quel coup de co si sa crise, oh yo ça vous tournez habitué, bah monsieur bah le peuple bah Martin Fayulu, galingo ça la claire, oh lo bah solution c'est la nini parce que tant on tente bah message oh yo, malo papa Simon Kimbangu yambanza sand, eh mais papa dingue dans l'oba, solution pour la Congo c'est la nini le lo, tu le bien gros malam, on ne cesse, bah autant là yo hein, bah autant là yo c'est la claire, c'est vrai. Tout ça pour le bango hautement ici à haute voix ceux qui m'engagent banda kala ba message ils ont le cas mais toujours continuer que ça la sourde d'oreille toujours quand ils savent que namayele oya biso ya politique n'est yango ko résoudre des problèmes en mboka oyo pendant que Simon Kimbangu qui est parti du Congo central à celle tour du Congo tina katanga à longue na katanga ayé à matiti à zongi donc Simon Kimbangu a bouclé kimboko oyo comme ceinture de tokango na pantalon donc personne à quoi kamata ni un centimètre en boka oyo à longolango qui n'a pas à l'obéla qui en haut il a bouclé ses pays et le Congo restera indivisible. Alors n'a pas parole ou en a n'y a moué singili bango ba politicien au bazo kamamboka nani tanga bango. Ah mais écoutez bah yeba ina bango bazé ebele au bazan kasi banani tanga non bazo bakte ozo senga eza conseil ozo pesa ozo senga banani parce que bazo bakke bakimangisi boyi makambo ebele mais ozo boya koloba or que toza koleka ba mikoleza koleka toza kol ba kolanda mission même bazo ko diriger eza li sou mouté eza infraction té ozo pesa bango toli c'est l'homme makambo yoka papa dyangenda voilà mais la moya lolo tu sais que dakena na kambata akendeki alobaki makambo ya kokoloba ya kitoko et après Kabila a passé 3 jours dans le camp. Oui, il n'y a pas de joie qui a salé qui peut y avoir. Le conseil n'a pas coupé ça, n'a pas policier en l'élo. Le camp a salé à la Kuna, ils allaient passer à Yapamba. Dans la consultation, il y a une conférence nationale. Et comment il y a une conférence nationale? Président Fati, a comme un tabatou à yé, bah qu'elle ne trouve papa Simon Kimbangu Kianga, n'a pas de kilomètre en camp, a qu'elle ne trouve pas papa. Mais yo zamu kitena papa Simon Kimbangu ba vestige nous surtout spirituel tika na ma na maboko na yo mboka le comme na po poto poto tozo kende contre mi olobi nini voie de sortie nini yo pesi biso pona dini mboka oye bo e bonga nous sommes en train de souffrir mboka koza la boite ezala ban kita nion sur tout ce qu'il vous faut ba tableau de Mendeleev à cette époque là les grands savants russes les chimistes ezali a pa na biso mais boni boni le lobo photo comme na bozo ba oyo tozongi sima musika pona nini to lani makama Simon Kimbangu te le tozongi sima te baninga ce n'est pas par fanatisme, mais toujours parce qu'il y a des vérités qu'il faut dire. Et bah vérité, on est humiliable les lots. Bon, qu'on ait trouvé Simon Kimbangu Kianga. Donc on a aux autres même Kabila pas qu'il ait. Même Bango Nyo surtout, oh bah quand c'est Kimboka, oh papa Simon Kimbangu Kianga, Nazaliao. Bango nous sommes au Kenya, il est là. Donc n'engagez-vous pas la solution pour la Kimeko dans le Congo. Et ça papa Simon Kimbangu Kianga. Bah qu'on ait connu pas papa Simon Kimbangu Kianga ni solution est allée de Kuna. Pour la Kimia, pour la Mboka, pour l'Afrique et
dans le monde. Mais monsieur Balobi, celui-ci est en États-Unis, celui-ci est en Européen, Balobi, Bangonde, Baza, la puissance du monde. Quand vous avez eu le gars qui est en Kamaguna, vous avez eu le celui-ci alors que force mondiale est en Likolo. Papa journaliste, je suis en Kounate, je suis en Polele. En 1921, je suis en Kamaki. Vous comprenez? Mais le monde entier a couru. Vous comprenez? La machine coloniale est grippée. Tout a été arrêté. C'est moi qui m'en ai dit. Pourquoi on l'a arrêté? Un peu pendant 30 ans de prison. Donc, les autres gozo koksa déjà le 6 avril 2021, tout comme un siècle. Tout koksa déjà l'église qui m'a dit un siècle. Tout le binin. Bisonion se tokende kuna, tu invite batignon, surtout ba politique, ma kamabele. Boke n'a trouvé Simo qui m'a en kangani, à couper sa bino solution. Mais monsieur Baloba, mais papa Jean, est-ce que vous savez que papa Simo qui m'a en kangani? Azale n'a pas consultation à Félix, c'est que Diabeng Saki, pas en tant que tata et colo. Ayoka qui paye. Et d'accord, Aloba qui n'est pas en outikuna. Tambatuna galbaini. Mikili nionso, ils ont un problème. La RDC, même moi. Mais tout ça, la n'est tout ça, ma boulot, on a mis tout tourné nos regards vers l'éternel du Tout-Puissant pour nous appeler ça, ma solution. Mboka O, il y a bien que il y a des réalités prophétiques avec des vérités spirituelles bien connues. Mais comment nous ne pouvons pas nous tourner vers celui qui est le détenteur qui est resté avec le vestige de Simon Kimbang? Poser des questions là-bas. Où nous en sommes aujourd'hui? Nous venons d'où nous sommes où? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire sortir ce pays de l'obscurantisme et honte dans lequel nous sommes plongés depuis. Est-ce que papa Diangenda avait la vie solo par rapport à Marambe? Mais est-ce que vous avez un coronavirus qui est bon à battre? Toujours qu'il y a un centenaire, l'église qui est sur le bango un siècle, même qu'il est à Roningana. Est-ce que papa Diangenda est-ce que vous avez un par rapport Toyogara les c'est moi le litanga ya mai et quoi ne balé mukile ningani. Tu habites est-ce que Zanini finalement Marambe tombe vers mukile? Bon voilà, papa Diangenda a commencé vraiment quoi sur le kimbangisme. Kuna la souka ya mukanda. À l'obaka, l'ordre ancien est appelé à disparaître, à tout prix. Mais en attendant, ne croisons pas les bras. Dans le 1940-45, la guerre est à Kébélé. Tout ce qui a été dit, il y a des maladies qui ont cassé les côtes qui a décimé pratiquement le monde entier. Tout ce qui est déjà à la veille d'un nouvel ordre mondial. Et l'élopé, à la veille de 1921, nouvel ordre mondial est à Kouya. Coronavirus est yéchou maka makasi tala le poto à la veille 2021 voilà le lobo malade est commis makasi tala la poto miki la poto États-Unis Amérique et ainsi de suite basant la passe mais l'Afrique est légèrement épargnée. Est-ce que koko pesa biso mayele tetu ebetete tous épargné pour nanini vous comprenez tous à l'impé na lucidité to ebakete makambo le ko les a augmenté quelque part il y a quelque chose là-bas to kenena nokuna parce que mboka o ezaki na mutu a tele melaki ngoto zonga na nokuna. Cessons de faire le sourd d'oreille. Le nouvel ordre mondial est appelé à disparaître à tout prix au profit d'un autre. Mais en attendant, ne croisons pas les bras. C'est-à-dire que tout ce qui existait hier, ce qui fut vrai hier, n'est plus aujourd'hui, ne le sera plus aujourd'hui ni demain. Donc, il faut que nous soyons parce que la démocratie, tout ça, il y a des perditions. Le débauchage, la démocratisation, le multipartisme, etc. etc. Et même si nous sommes et mes amis sont wapi, les lots, tout comme wapi, tout ce qui wapi. Est-ce que Makambo, tout ça, que nous sommes en train de copier servilement et en Occident, est-ce que vous savez ça? Tout ça, la mode politique, nous soutenons pendant que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, papa Jean Kimouni, dans le premier numéro. Tu vois, ma opé la deuxième numéro, troisième numéro, tu as qui vraiment comment on a pour que tout soit là. Tu as comme mon amouké, na mon amouké, mais tu as quoi retenir, en résumé. Par rapport, il y a trouble où ils ont amoukili, le lobazo ko loba guerre à ma isakoya, balobi que batobazo ko piller à ou à matière première, surtout bah forces étrangères, pour que bah comme ils ont quitté na bango, bah congolais bazo ko souffrir, tu éviter tout ça au Kenya, puis na bah corona lobeli ango, même RDC c'est ce qui mbango abimi, instabilité politique et côté crise. Ce jeu politique est à Makassi, partout à travers le monde, va retenir quelque chose. Vous allez la résumer dans ma réunion. Vous allez la résumer dans ma réunion. Vous allez la résumer dans ma réunion. Tant que vous allez me connaître, Simo Kimbangu, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Car Simo Kimbangu n'était pas un homme ordinaire. C'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver la race noire.
Et le kimbangisme comme tel n'est pas une petite religion comme d'aucuns peuvent le croire. C'est une des grandes religions du monde qui s'inscrit dans les grands courants de pensée universelle, comme l'islam, comme le judaïsme et le bouddhisme. Vous comprenez? Mais alors, tout ce qui se passe actuellement dans le monde, la montée du chômage, la crise de la société, la crise de la foi, mais Kimbangu, il avait tout prédit. Vous savez qu'il avait même prédit la guerre mondiale en 1940. Les Belges sont allés rencontrer mon fils, papa, et il a prédit beaucoup de choses. Les autres, nous sommes en train de parler de démocratie. Les uns sont pour Kabila, les autres sont pour Tshisekedi. Mais la démocratie, on a un peu plus de l'Obani. Vous comprenez? Donc, tous à la maïle, tous à la lucide, tous ont remonté la chronologie des temps. Il y a eu quelqu'un qui est arrivé ici qui s'appelait Simo Kimbangu. Tout est consulté. Azel Souté, mais il y a 6 génies sur les ans en Kamba. Merci beaucoup, papa. J'en souhaite retenir bien. Donc, pour ça, nous allons être Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, Quoi accéder pour nettoyer ma camambo ka ndenge ya ngwezali. Merci beaucoup. On a rappelé que invité na bichelelo papa Jean Kimwini azali moko ya bakimbongiste oyo bango ba jo kiton ya koyo ko la pembeni ya papa Dengenda baza en tout cas na ko ba bato ba mi pesi na ko koma pe histoire parce que azali pe écrivain wana lo bagi ngote ba la mingi ko koma ka sur maboma mingi ya papa Simo Kimbangu toujours sa l'émission oyo sur la bénédiction ya Nzambe parce que matangambula les autres ko kita mais to pesi bino rendez-vous pour d'autres numéros. Boutique à la branchée na canal Congo TV, vous allez votre chaîne préférée. Vous abonnez et belé, boyoki. Titre na biso ezaka Félix Tshisekedi, na Joseph Kabila, barozi la bango na Nkamba. Pour te baluka solution pour mboka ya Kimbangu ebima na pasi oyo et koti mundele ne mtakota ngona pasi. Kasi lokwe zali mboka ya Kimbangu elike zali ete ba congolais, ba africains, ba kozala totalement libre pe ba ko bika na kita oyo nzamba pesa bango ndenge papa Simo Kimbangu kyangani aloba kyango mokola yengeleki matone mingi papa Jean Kimuni. Je vous remercie pour autant. Merci, bye. Canal Congo Africa is good.